Calife. Vous avez signé un 9,550. Uri Van Gelder, le néerlandais, 22 ans, lui aussi a beaucoup d'expérience. Il est notamment champion d'Europe. C'était cette année à Debrecen, champion d'Europe en titre. Alors lui, il a des véritables pistons à la place des épaules, vous allez voir. Ça monte tout seul. Et lui, il en rajoute. Il continue à monter et il tient ses forces presque 3 secondes. Mais rassurez-vous, c'est pas fini ici. Ça continue, il tourne tout doucement. Une croix de fer à l'équerre. Et là, il remonte. Il faut une force exceptionnelle pour remonter à l'hirondelle. Et le corps est parfaitement rectiligne. Les épaules au niveau des anneaux. C'est quasiment la perfection pour Van Gelder. Allez, prise d'élan pour arriver jusqu'à la TR. Ici, c'était son point faible il y a quelques années. Il a beaucoup travaillé afin que les câbles ne tremblent pas. Et la sortie double tendue, pile chute. Uri Van Gelder qui est peut-être en train d'écrire l'histoire puisque jamais un Néerlandais n'a été champion du monde. Uri Van Gelder qui était passé à côté l'année dernière à Athènes. Ah Benoît, c'était très fort là ce qu'il a fait aujourd'hui. Ah oui, c'est impressionnant, il défie complètement les lois de la pesanteur. On le voit ici, la croix de fer renversée. Et les épaules hein, qui sont au niveau des anneaux. Là est toute la difficulté pour les gymnastes. Rechercher la perfection, travailler. Là, regardez cette croix de fer. Et le petit coup de tête pour montrer au juge que c'est facile. Bah oui, vraiment, vraiment impressionnant, Uri Van Gelder aujourd'hui. On voit toute la tension des muscles qui sont réquisitionnés au maximum. Et ici, la sortie en double tendue, bien sûr, sans broncher. Et là, il sait qu'il a fait fort. Et les juges apprécient à sa juste valeur, 9,725, c'est vraiment une note excellente pour Uri Van Gelder.